On avait 20 ans. Avec, moi, j'avais 20 ans, mon mari en avait 23. Quand on a commencé, qu'on a pris... Avant, on a été... Il a été... Moi, j'étais femme de chambre et lui valet de chambre au... Comment que ça s'appelle? À l'hôtel du Morvan à Saint-Honoré, qui est devenu le casino maintenant. Eh bien, on a fait 2 saisons là-dedans. En tant que, et puis après, bon, ben, ça allait pas, ça, c'était, mon mari était très stylé, mais malgré tout, après, on a pris la ferme, une petite fermette qui appartenait à mon beau-père, à mes beaux-parents. Et à 20 ans, on n'y connaissait rien, ni l'un ni l'autre. Voilà. Alors on s'est lancé avec, tenez-vous bien, 500 francs d'emprunt. 500 francs d'emprunt. Hein? C'était énorme, hein, pour acheter 2 vaches. Pour pouvoir acheter 2 vaches, pour pouvoir aller labourer, pour pouvoir emmener le chariot, tout ça, voilà. C'est comme ça que ça s'est produit. Et puis après, ben, petit à petit, on s'est bien débrouillé. D'abord, moi j'aimais ça, on aimait ça, puis on était courageux, hein, comme quoi on peut arriver. Hein. Et puis après, on a acheté, on a amené les vaches, j'ai amené les vaches à l'aiguillon, je vous l'ai déjà dit, à la charrue, tout ça. Et j'ai fait des chariots de foin. En vrac, vous savez, du foin en vrac, comme on faisait dans le temps, tout ça. J'étais... Et en plus, j'avais un gamin, mon fils était né l'année d'avant qu'on se mette dans la ferme. Donc, il avait, quand on est venu le 21 janvier 1951, il avait 9 mois. Et bien, quand on allait travailler dans le champ, au labour ou au foin ou n'importe, je l'emmenais, je le mettais sur une couverture vers la haie, vers le trace. Et puis, avec 2 ou 3 jouets, comme ça, pour l'occuper, parce que j'avais personne pour le garder, tout ça. Et puis après, j'ai eu ma fille, après 6 ans, j'ai eu ma fille. Mais là, son frère la gardait, il avait 6 ans, il la gardait. Mais autrement, vous savez, j'avais personne pour s'occuper d'eux, ni d'un tout, et je faisais mon ménage. Quand on rentrait du champ ou n'importe, de dehors, ou s'occuper des bêtes ou n'importe, eh ben, fallait faire à manger sur la cuisinière au bois. On a eu un gaz quelques années après, un petit truc à gaz qu'on avait. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on était fiers quand on a eu. Faire la cuisine là-dessus. Et faire je faisais la lessive le dimanche, la lessive dans une lessiveuse, comme ça, sur la cuisinière, c'est pareil. Hein. Ben, on faisait ça, tout à la main, tout. Donner à manger aux cochons, donner à manger aux poules, donner les pieds dehors, et puis... Et tenez-vous bien, j'arrivais à faire de la couture, je savais coudre. Je faisais de la couture et j'ai tricoté des pulls et des trucs comme ça et des chaussettes à mes gamins. Et bah. Jusqu'à des fois 1h, 2h du matin. Je tricotais comme ça parce que dans la journée, des fois, j'avais pas le temps. Et c'est pour ça, j'adorais lire. Hein. J'aimais lire parce que j'avais pas pu poursuivre mes études. J'aurais dû poursuivre mes études parce que j'ai eu mon certificat d'études à 10 ans et demi. Le jour de mes 10 ans et demi, jour pour jour, eh ben, j'ai pas pu aller aux écoles supérieures parce que c'était la guerre en 1940, au mois de juin 1940. Donc, j'ai pas pu. Et ça me manquait. Alors, aussitôt que je pouvais lire, je lisais. Je lisais tous, oui, parce que j'aimais ça. Et maintenant, je peux plus lire parce que je vois plus clair, mais j'ai lu toute la bibliothèque de Morin-Gilbert, vous savez. J'aimais lire tout ça. Je me suis... Pas instruite, c'est pas de l'instruction, mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai appris en lisant. Voilà. Et puis après, il y a eu les vaches, après, on a acheté une jument, et puis qui nous a fait 2 poulains qu'on a gardés, et quand on a vendu la jument et les 2 poulains, on s'est acheté un petit tracteur. Le premier petit tracteur en 1952 ou 3. Non, c'est plus tard que ça, 1956, je pense.
Mais enfin, et on était dans la commune, mon mari, lui, était assez pour le modernisme, tout ça, et ça lui convenait mieux. On achetait un petit tracteur. Après, les enfants ont grandi, et puis on avait loué des terres en dehors, parce que la ferme de mes beaux-parents n'était pas grande. On avait loué des terres, et puis ma femme s'est agrandie, on a un peu plus de bêtes, un peu plus de vaches, tout ça. Et puis, mais vous savez, comment je vais vous dire, je travaillais tout le temps en chantant, tout le temps, je chantais tout le temps. J'aimais ça. Ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, a eu 8 enfants dont ma mère était l'aînée. Ma grand-mère avait 34 petits-enfants. Elle était fermière pendant la guerre de 14 et j'étais la seule de ses petits-enfants à être dans la terre. Elle avait une préférence pour moi parce que j'étais la seule. Toutes les autres, ses filles, ses petits-enfants, tout ça, ses enfants, c'était tout éparpillé comme ça, mais j'étais la seule à rester dans la terre. Mmh. Oui. Vous voyez ce que c'est quand même, c'est comment on appelle ça, un atavisme. Mmh. Oui. Voilà, c'est pour ça. Ça se retrouve, hein. Ouais. Et puis après, donc, on a eu les tracteurs. Et puis, ma foi, avec mon fils a grandi. Il est resté jusqu'à 20 ans avec nous, qu'il a travaillé. Après, il est parti travailler il est parti à Paris, dans la région parisienne, dans un hôpital psychiatrique. Il était comme, pas ambulancier, mais dans le garage, dans les voitures, dans les machins comme ça, je sais pas comment ça s'appelait à ce moment-là. Mécanicien, non ? Pas mécanicien, non, il conduisait il faisait à l'intérieur, voilà. Et puis après, il a emmené sa sœur, quand elle a eu son bac à 19 ans, à 18 ans, il a emmené sa sœur là-bas, qu'elle voulait faire travailler, comment on appelle ça, aide médicale, c'est ça, voilà. Mmh. Et finalement, elle a fait infirmière en psychiatrie, là-bas aussi, vous voyez. Et puis, il venait tout le temps nous aider l'été, comme ça, pour faire les foins, tout ça. Ils sont nés, mon fils est né à Rémy, mais ma fille est née à Villars. Donc, oui. Vous voyez, j'y suis venue à 20 ans, j'en suis partie à 92 ans de ma maison. Ben, je vous dis, c'est pour ça, alors, de 20 ans jusqu'à 92 ans, je suis restée au même endroit. Hein. Mon époux est décédé, j'avais 64 ans. Ben, je suis restée, j'ai continué, j'avais gardé encore des brebis, parce que j'avais une bande de brebis. Moi, j'ai eu jusqu'à 62 brebis. Et ben. Et une année, 101 agneaux. Il y en avait plusieurs qui en avaient fait deux, tout ça, 101 agneaux. Vous vous rendez compte, hein? Eh bien, je m'occupais des brebis, je m'occupais des vaches. J'étais tout le temps avec mon mari, hein, tout le temps, tout le temps. Il faisait rien, rien, rien sans moi. Rien. Tout le temps avec lui, c'était... Puis j'aimais ça, hein. J'aimais, vous savez, c'est pas pour dire, mais quand on allait labourer à la charrue, vous allez me dire, c'est idiot, mais j'aimais voir la terre se retourner. J'ai semé du blé comme ça à la main quand on a commencé tous les deux. Parce que maintenant, les tracteurs, vous savez, ça sème tout comme ça, tout seul. Ils appuient sur un bouton, ça se fait tout seul. Mais nous, on faisait tout ça à la main. C'était des choses, c'est pas croyable. Hein. Quand je les vois maintenant, qui se plaignent de ce qu'ils... C'est vrai que c'est dur, faut y arriver, mais c'est trop... Ils cherchent trop... Toujours plus. On faisait avec ce qu'on avait. Et puis, vous savez, on vivait bien, hein, parce que c'était une petite commune. On avait des voisins qui étaient comme nous. On s'entraidait. Le soir, on faisait la veillée. On vivait bien. Je ne veux pas dire qu'on vivait en communauté, mais on vivait les uns avec les autres. C'était pas du tout ça. Hein. C'est plus ça maintenant. Les gens sont jaloux les uns des autres. C'est toujours voir celui qui va en faire plus, qui va avoir le plus et tout ça. Et lui, il a ça. Et puis même si on n'y a pas, ben on va y prendre chez le voisin, puis c'est tout. Je ne sais pas, c'était une vie... Enfin,
ben voilà, je suis Madame Barbier Jacqueline, de prénom de femme Barbier et Ludo de jeune fille. Je suis née à Troyes le 25 novembre 1936 d'une famille ouvrière. Mes parents étaient des ouvriers bonnetiers puisque Troyes était la ville de la bonneterie. Et mon père était bonnetier, c'est-à-dire qu'il fabriquait les bas. Et maman était racoutreuse, elle réparait les mailles qui s'en étaient filées. Durant mon enfance, je l'ai donc passé à Troyes. Mais malheureusement, mon papa a été arrêté en 1944. Et ce n'est pas lui qui a fini d'élever mais maman. Je suis allée à l'école à Troyes. J'ai fini de passer mon certificat à l'école de Jules Ferry à Sainte-Savine. C'était donc la nouvelle école où j'avais été à Champlaud. Et à ma sortie d'école, je suis rentrée comme empaqueteuse en boulangerie-pâtisserie. C'est-à-dire que je mettais des biscottes en paquet. Les dimanches, nous allions les jeunes en magasin pour faire la vente du pain, des gâteaux, enfin tout ce qui retournait de la boulangerie. Nous avions le lundi comme jour de repos et le mardi, nous retournions à la maison mère qui était le Bon Pain de France, avenue Gallieni, à Sainte-Savine, où on reprenait le travail de manutention d'empaquetage. Puis ma foi, mon travail était assez éloigné de ma demeure. J'ai trouvé un emploi plus près aux établissements Huchard et Hutinet, où l'on mettait des graines en sachet. C'était aussi un travail de manutention que j'ai effectué pendant quelques années, ce qui était malgré tout très intéressant. Et l'on faisait tout manuellement, tout était pesé à la main. J'avais la responsabilité des fleurs, c'est-à-dire de toutes les graines de fleurs, de toutes les graines de fleurs, les bégonias, les petites graines de pétunia, les zinnias, toutes ces choses-là, tout ce qui était fleurs. J'aimais beaucoup mon métier, c'était agréable. Et ce qui avait d'intéressant aussi, c'est qu'à partir de septembre, nous faisions des expositions de dahlias, c'est-à-dire que nous recevions des fleurs coupées que l'on exposait et les gens venaient les commander et au printemps, on leur redonnait les bulbes, enfin même pas les bulbes, pas les pommes de terre. Ce que nous faisions aussi à l'automne, c'était les oignons à fleurs d'automne, c'est-à-dire tulipes, jacinthes, crocus, renoncules, toutes ces choses-là, qui étaient pas mal agréables aussi. Moi, pour ma part, c'était surtout la manutention que je faisais. Et puis, avec l'âge, mes parents ont décidé de quitter Troyes. Donc, je suis partie à Nice pendant 5 ans. Là, j'ai effectué du pareil, un travail de manutention en grainerie, puis en laboratoire, au laboratoire Ronchaise. Ensuite, ayant trouvé une meilleure place, j'ai travaillé en métallurgie. J'étais employée aux établissements Atoms, et où on fabriquait des pièces pour les obturateurs d'appareils photo Kodak. J'y suis restée 4 ans, puis après je suis venue dans la Nièvre. Et c'est dans la Nièvre que j'ai effectué ma plus longue carrière de travail, 22 ans à la commune, employée à la cantine et au ménage des écoles. C'est là que j'ai terminé ma carrière, avant, tout en étant mariée et en ayant un fils. Alors, je me suis donc mariée en 1962 avec un fils d'agriculteur, un petit agriculteur. Les parents avaient quelques pièces de bêtes, quelques hectares de terre. Ils vivaient, disons, pas chichement, mais enfin, ils arrivaient quand même à faire leur vie. Mon mari, le fils est né, puisque mon mari a un frère, René. Et c'est mon mari qui est resté sur l'exploitation de ses parents. Et comme ce n'était pas de gros agriculteurs, ils allaient travailler dans les fermes alentours. Et aussi, en période de battage des moissons, ils conduisaient
une batteuse. C'est-à-dire qu'il allait de ferme en ferme battre les récoltes. D'accord. Il a fait ça pendant de nombreuses années. C'était pas toujours agréable non plus parce qu'il fallait emmener le matériel sur place, le caler, battre, décaler, puis des fois repartir dans la journée pour faire une autre place. Mais enfin, c'était sa vie. Il a donc été sur l'exploitation, aidé ses parents sur l'exploitation jusqu'à temps de leur retraite. Et après, il est rentré où il a fait divers travaux. Il a travaillé à la scierie Scaillé pendant plusieurs années, jusqu'à sa fermeture aussi. Et ensuite, quand la scierie Scaillé a fermé, il est employé par Solidarité 58 à faire des travaux chez les personnes qui avaient besoin de faire du jardinage, bêcher, fendre du bois, des choses comme ça. C'est ce qui l'a mis jusqu'au bout de sa retraite. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Vous avez fait quoi comme travail? J'ai travaillé dans les fermes en temps. Vous faisiez quoi dans une ferme? Cultivateur. Vas-y, racontez-moi. Vous pouvez me raconter? J'ai fait du travail dans les champs, partout, ailleurs. Vous faisiez quoi dans les champs? Est-ce que je faisais? Elle aimait. Parce qu'un temps, on faisait les mains. Oui. On n'y faisait pas autrement. Tout à la main. C'était comme ça, quoi. Et vous faisiez quoi dans les champs? On travaillait sur qu'on avait à faire dans les champs. Vous cultivez, vous... Vous faisiez quoi aussi Est-ce que vous vous occupiez des vaches? Oui, vous faisiez quoi avec les vaches? On avait 10 vaches à ce temps-là. On n'en avait pas beaucoup. Vous avez fait d'autres élevages? D'autres élevages, non. Non, vous avez fait que les vaches. Oui, les vaches, oui. Et dans les champs, vous cultivez quoi? On cultivait ce qu'il y avait fait dans les champs. Madame. Ma vie, elle est simple, de toute façon. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai perdu mon père à la guerre. J'habitais Montmorency, au nord de Paris. Et puis Montmorency en Guinze, c'est une ville assez agréable. J'ai fait mes études et tout. Mais toutes les vacances, même s'il y avait 8 jours, je repartais dans le Limousin voir mes grands-parents qui avaient la ferme au château de Montbrun, qui était un château historique, le château de Montbrun. Et là, j'ai tout appris, ce qui est dans la terre, les serpents, les poissons, tout. C'était ma joie, quoi. J'avais un grand-père qui m'avait initié. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait une mémoire extraordinaire. Et puis, les études, c'était à Montmorency, au nord de Paris. J'étais jusqu'en terminale, j'ai passé mon brevet puis mon bac. Après, je suis parti aux États-Unis, à Saint-Paul, dans le Minnesota, pour rentrer à la Minnesota de France, qui était à Beauchamp, à côté de Paris. Mais quand je suis revenu des États-Unis, on m'a dit, vous n'avez pas fait l'armée. Alors, j'ai devancé l'appel, mais c'était l'époque où il y avait la guerre d'Algérie, la première guerre de Suez, que j'ai fait sur le Jean Bar. Mais au lieu de faire 18 mois ou comme ça, j'ai fait 3 ans et 6 mois.
Et enfin, je ne me plains pas parce que j'ai voyagé. Et puis, j'ai eu une vie agréable dans la marine. Et puis, ben, en Algérie, quoi, où il y avait des petits problèmes. Mais enfin, c'était pas comme tout le monde. Hein. Et puis, quand je suis revenu, eh bien, ma place était prise à la Minnesota, à Beauchamp, où vous êtes Paris. Et bien, j'ai dit, je suis parti. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Vincennes. Et j'ai rencontré un gars, un Suisse qui avait des chevaux. Et puis on a sympathisé et tout. Et il me dit, je cherche quelqu'un pour me remplacer en Suisse pour mon élevage parce que je pars faire le tour du monde. Ah bon? Alors j'ai dit, comment? Ben, il dit, je vais chercher un pilote en Suisse, en Italie, qui a le diplôme pour conduire mon bateau. Et je dis, moi j'ai le diplôme. Alors on est parti en Italie pour voir le bateau. Et puis, quand je lui dis, mais on peut le conduire, c'est facile. Alors on est parti hors mer, je l'ai conduit, il m'a dit, ben, au lieu d'aller à l'élevage en Suisse, ben, vous venez avec moi faire le tour du monde. Mmh. Voilà, et puis ben, je suis resté quelques années. Il a voyagé avec sa femme et sa fille, une belle fille d'ailleurs, que j'ai fréquentée pendant 8 ans. Et puis, au bout de 8 ans, marre. Et puis, j'ai dit au revoir à mon patron. Moi, je suis reparti. Donc, j'étais après de Belgique. Et après de Belgique, je suis parti en Italie. Et d'Italie, j'ai été naviguer dans les mers. Alors c'était bien sûr l'aventure, quoi. Mais tous les 2 ans, je venais faire un stage dans la marine, puisque j'étais radio à l'époque, et radio c'était un peu peinard, quoi. Alors ça me faisait double paye. Et puis, comment dirais-je, quand j'ai eu 40 ans, eh bien, je suis allé voir maman, qui habitait maman aussi. Puis j'ai rencontré une jeune fille qui avait 18 ans. Et puis on a sympathisé. Moi, j'avais 40 ans. Et puis ensuite, je me suis marié. Et puis j'ai travaillé responsable dans des grands chantiers, puisque j'étais un peu le brigand de service, puisque on me déposait là pour savoir comment se fait-il que l'usine marchait mal ou le machin marchait mal. Alors pendant un mois et demi, ben, je regardais ce qui marchait mal. Et puis au bout d'un mois et demi, 2 mois, je disais à mes patrons responsables, je dis voilà ce qui marche mal. Et après on allait à l'usine ou à la boîte en disant voilà, un tel, il a plus sa place là. Alors je me faisais des ennemis, mais ce n'était pas mon métier. Mon métier, c'est de remettre l'usine à flot, quoi. Et puis après, entre-temps, je me suis marié avec la jeune fille. J'ai eu une fille, ça a été mon bonheur absolu, c'était ma vie, quoi. La maison a l'air plus grande, surtout la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence. Ça y est, c'est bon. Alors, je me rappelle même plus pourquoi j'ai commencé l'autre fois pour... Le travail. Ah ben, quand j'ai travaillé, oui, travaillé dans les fermes et j'étais très heureuse. Je faisais beaucoup de travail. Je faisais cuire les pommes de terre pour les cochons. On mélangeait avec la farine. On emmenait les seaux aux cochons. Après, on s'occupait des brebis. On faisait têter les petits agneaux que leur mère avait pas assez de lait. Après, on relâchait tout ça. Et je m'occupais des vaches, des pivots. Je balayais les écuries. Oh, ben, j'ai tout nettoyé. Hein. Et avec le lait, ben, on faisait des fromages.
on mettait ça dans des pots en grès, et puis après on enlevait un peu la crème, et après on faisait des fromages, et la crème on faisait le beurre. Ah oui, on a fait tout ça, nous. Avec, mais, bon ben moi j'étais bien. Il n'y a qu'une chose que j'ai regretté, c'est parce qu'il y avait des gros chiens de chasse, et je n'avais pas le droit de les flatter, parce que le patron me disait, non, après on ne peut plus faire ce qu'on veut des chiens. Alors bon, mais j'écoutais, hein, je n'étais pas en patronne. Enfin, je leur donne à manger quand même, c'est bon. Et puis après, ben, quand j'ai quitté la ferme, je suis allée dans une maison bourgeoise. J'ai trouvé le temps long parce qu'il fallait faire le ménage, encaustiquer, essuyer, faire l'argenterie. Alors là, ça m'a pas plu du tout. Hein. Alors, quand j'ai quitté, ben, j'ai dit allez, je me marie et puis c'est bon. Alors après, ben, évidemment, avec les enfants, ben, je regrette pas mes enfants, j'ai dit ça. Alors, on a tout le temps été ensemble, on rigolait ensemble. Alors, bah oui, j'en avais quand même 10, hein. Mais enfin, pas tous d'un coup. Hein. Mais à fur et à mesure, on s'occupait des uns des autres. Mais enfin, on a eu beaucoup de travail, hein, parce que il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau. Il y avait l'eau de la rivière, mais il n'y avait pas l'eau à la maison. Il fallait tirer ça avec dans les puits, avec un seau. Et puis, mais autrement, c'est pareil, on n'avait pas beaucoup de lumière, on avait des lampes à pétrole. Alors, enfin, avec les enfants, on a fait quand même pas mal de choses. Il fallait laver le linge, on le faisait bouillir, fallait après le rincer. On sortait ça de la lessiveuse, on rinçait, on allait à la rivière avec une boîte, on emmenait tout, on lavait ça. On rinçait tout dans la rivière. J'ai dit dans le temps, on servait de la rivière à présent, les gens nous verraient avec du enfin la lessive, ils diraient, mais alors les poissons, non, ah bon, dans le temps on n'y faisait pas attention, c'était. Et puis voilà, puis après, chez moi c'est pareil, j'avais tout le boulot. Fallait commencer par le ménage, enfin faire les lits le matin, faire le ménage, faire la cuisine, on faisait de la pâtisserie, on faisait des tartes à la semoule, des tartes aux pommes. On a fait pas mal de choses. Mais enfin, quand on faisait à manger, il fallait faire beaucoup. Alors, on faisait de la grosse moule, de la poule au riz, on faisait des ragoûts, on n'avait pas de la petite machine fine comme ici. Hein. Mais bon, et puis après, ben, à fur et à mesure, les enfants sont passés en apprentissage. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs.